tu devrais... Je devrais te casser pendant que j'ai encore des jambes pour le faire. Personne... Personne spot avec la barre, c'est pas pour faire comprendre quelque chose sans le dire. C'est pas vrai? Je suis désolé, Mickey. Rends-nous l'argent, reprends ta caravane, n'en parlons plus. Qu'est-ce que tu veux que je foute d'une caravane, Sarah, qui a pas de roue? Tu vas comme ça, toi. Faut qu'on règle pas. Oh, ça, sûrement pas. Partez, partez. Maman. Tu te battras pas, Mickey. Non, d'accord, maman. Tu sais bien ce qu'il arrive quand tu te bats. Allez, il faut aller t'asseoir. Pas vrai. Quoi, tu veux la thune? Je vais pas te regarder. Il faut que tu te battes pour ça. Toi et moi. D'accord, c'est comme ça que tu te bats. Tu vas rester à terre! Oh, tu vas rester à terre! Et tu te relèves pas! Retourne à terre, p***, et reste-y! Je te promets que tu vas rester couché! Tu sais que tu connais du, hein, quand même, pour un gros lâche! Sale pas la prochaine fois. Oh, va te faire foutre, t'es fêlé. Je me tire. Non, tu te tires nulle part, t'attends, gros lourdeau. J'ai pas encore fini le boulot. Texture like sun, lays me down, with my mind she runs, throughout the night, no need to fight, never a frown, with golden brown. En définitive, le gentil manouche couvert de tatouages était un champion de boxe à main nue, ce qui fait qu'il est plus résistant qu'un clou de cercueil. Pour l'instant, Tommy pense à tout autre chose. Parce qu'il sait que si George se réveille pas dans les minutes qui viennent, il sera enterré avec lui. Pourquoi est-ce que les gitans se fatigueraient à expliquer la présence d'un mort dans leur campement? Alors qu'ils peuvent les enterrer tous les deux et déménager. Ces gens-là n'ont pas de numéro de sécurité sociale, pas vrai? Tommy, ce crétin, est en train de prier. Et si c'est pas le cas, bah il devrait.